Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News AID. Si c'est la première fois avec nous sur Channel ça, après appuyer un bouton rouge en bas pour capable cliquer pour être connecté. Comme ça tout peser cloche là pour capable joindre notification information. Nouvelle qui sorti dans le pays d'Haïti fait connaître que l'hôpital général en fait ça nous est l'hôpital de l'université d'Haïti entré dans une cause grève depuis lundi. Une grève illimitée. Et donc, nous sommes capables de parler d'abcès sous clou. Le pays a chargé de problème. Nous tout connaissons. Mais, centre l'hôpital, un des gros centres hospitaliers qui gagne au cœur de la ville, entré dans un mouvement grève qui s'allie ses revendications salariales. En fait, nous sommes capables de constater en pile malade, justement, de l'onanger, choqué pour bagaille ça. Et il va comprendre nouvelle ça. L'hôpital là en grève. Et c'est ça mon capable dans brancade qui levé et côté que yo tap mené Maril dans salle d'urgence dans médecine interne. En fait, yon dame on parle de exemple madame Richard qui n'a justement 80 ans qui pas même contrôler les mouvements va et vient dans service archivio. Donc, les 2h15 minutes madame Richard qui victime d'un AVC, la privé dans une ambulance, dans un état préoccupant. Yo gant amené li pour joindre trois bon médecin, pour te capable joindre aide auprès de Mounio. Donc, li tombé, pas gen moun qui ka prend son. À l'instant même, yo apprend ni que gen grève. C'est ça, vous fait le connaît. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui est capable d'expliquer dans qui situation Mounio est. Donc, c'est revendication salariale. Nous connaissons que bagay revendication salariale congé pour corps passé ou pas payé ça pas touché. C'est pas dire bagay ça a traversé l'hôpital général là et l'hôpital universitaire d'Haïti. Les gens doivent faire camper le tourner. Nous voilà pour tout le monde que Chancerel qui c'est un l'autre hôpital qui est dans zone Cité Soleil, surtout qui se voit femme enceinte. Tu es obligé de fermer porte li sous fond d'insécurité. Comprendre bien. Maintenant, nous gagnons là, l'hôpital général Kounia, c'est pas sûr, fond de sécurité, eh bien, pour des problèmes comme, oui, avait dit, moun ka prend soin, y'a pas quand même comme, pour le toucher. Alors que, nous connaissons que, messieurs, nous gagnons pas de nez en bas, dans le parlement, qui jouent comme pour ouvrir bureau qui pas exister, enquête te montre que, n'exagérons les années provinciaux, y'a ouvri office, y'a chercher office ou pas quand même. Non, vous avez un secrétaire, vous avez une sécurité, vous avez un courant qui a payé, vous n'avez pas besoin de nous. Ça veut dire des offices qui n'ont pas existé. Alors que vous avez l'autre bord, eh bien, messieurs, dames, avec blouse blanche, qui finit d'étudier, et vous avez nettoyé, en fait, ça, on dit ça pour faire maintenant, si vous avez un problème. Quoi. Maintenant, interne, prestataire de service de soins au premier échelon, yo même qui plus proche malade là, yo observé un arrêt de travail illimité pour 6 mois. Yo gen 6 mois d'arrêt de salaire, attendez bien mes amis, n'a parlé de interne yo. Yo gen 6 mois depuis yo pas touché. Yo à peu près 128 là-dedans yo. Et c'est eux même qui recevoir patient en urgence yo dès que moun sa ou paraît dans l'hôpital là. C'est eux qui était là bon côté pour prendre soin yo. Parce que nous avons des gens qui sont docteurs qui ne sont pas internistes, ils ont dans l'hôpital, ils ont parlé que bon titan, tap tap tap, ils sont allés dans l'hôpital. Ok? C'est interniste qui est toujours là. Ils ont 6 mois, ils n'ont pas touché. Ok? Donc, ils ont dans cette urgence-là. Délégué de santé qui est internant, le docteur Junior Jean, ils ont fait une apparition, ils ont administré les premiers soins. En fait, c'est lui qui a expliqué ça interne si vous faites. Premier soin, c'est eux-mêmes. Tout bagage, c'est eux-mêmes. C'est eux qui ont la responsabilité pour mener à bon terme protocole maladie, averti supérieur. Toute situation inquiétante. Donc, les gens qui ont parlé avec eux, ils ont rendu compte que ils n'ont pas sous liste priorité ministère santé publique et population. Pour parler interne, ils ont parlé. Malgré toute importance que vous avez dans l'hôpital là, je vais reconnaître que, eh bien, le ministère de la Santé publique ne permet pas de mettre dans le cadre de priorité.
interne dans l'hôpital Université d'État d'Haïti, l'hôpital général, yo a réclamé frais mensuels que yo pas jamais touché depuis 5 mois. Donc vous comprenez, c'est là au travail, c'est sous ça pour yo payer, yo responsabilité tout. OK? Donc conditions de travail yo parlé tout inhumaine et yo pas fait fierté profession en tant que promoteur de la santé face à une situation qui vraiment déstabilisant qui rend yo impuissant dans gestion patient yo yo exiger de l'état yo meilleure gestion de travail et yo reconsidération de montant frais que yo ba yo qui pas même équivalent au guerre salaire minimum. Donc, si mes amis mal touché, ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas venus à la cobla. Donc, ils ont toujours envie de dire, ils ont une reconsidération de sa baïwa. Donc, c'est ça qu'on connaît. Interne, ils ont retourné encore pour la plus belle. Pas oublier que ça a été fait déjà. Ils ont été paralysés l'hôpital là. Dans le mois de janvier dernier, côté que nous avons le plus, on a prévu pour le plus grand centre hospitalier pays. Ok? Ça a été fait déjà. Après plus de 3 mois, pas grand rien que fait. Ça veut dire, c'est une crise qui t'a en sommeil, qui t'est là, qui retourne encore. Et, interniste, je dis, t'as jamais fait tout le monde, t'as jamais fait ministre qu'on est, pour te tenir engagement, qu'elle te prend, et que c'est pas en faveur. Et qu'elle bon redevance pour l'accompagner tout le monde, qui permet système de soins de santé à marcher. Et que c'est lui-même qui s'est mieux, ultime manager, il veut parler de ministre de santé. Dignité, respect, c'est premier marque de haut politique. Donc, il a écrit médecin, il a écrit ministre pour que effectivement il ait une réponse. Il a parlé de docteur Marie-Greta Roy Clément, qui est ministère de la Santé publique et de la population. Dans la correspondance que vous voyez par le ministre Landa qui est 18 mai, et protestataire souligné. À partir de décision que vous prenez, que vous pensez que le ministre a des moyens pour te prévenir une situation, ça, une situation qui est assez frustrante, et que c'est à partir de là que vous lancez grève généralisée au niveau des internes. Vous voulez rappeler tout un ministre qu'il a une lourde responsabilité pour assurer le fonctionnement du système de santé et traiter avec dignité. Et internition qui était ferme sous position, sous protestation, et que et l'autre équipe en dedans a soutenu autour de marche ça, et que dit eux-mêmes, ils n'ont pas fait marche arrière. Donc, même situation, mes amis, situation malouque, n'a pas parlé de maladie, n'a pas parlé de la vie à grand mort. Nous allons comprendre ça, les mouns, en urgence, au besoin à l'hôpital. Avec Namando, qui ça qui est plus important que ça? Le respect de la vie humaine. Donc, nous avons souhaité que, mettez mon encore, dans le pays, vous comprenez que l'ordre de l'hôpital, pas rien qu'à plus de gens que ça. On parle de la vie humaine. C'est de ça qu'on parle là, mes amis. On parle de la vie humaine. By the way, ministère de la Santé publique et Banque mondiale fait ce bail 160 millions de dollars là, mes amis. La dernière dit qu'il y a un peu pour santé. Oui, est-ce qu'il n'y a pas qu'à faire et pour nous faire considération pour nous, ça n'a plein pour ça, ou bah, ou qui pas même suffit, ou pas même qu'à bah, mes amis, au fond, Jean. Mais ça n'a pas l'air. Là, n'a pas l'air de responsabilité des autorités de l'État. Moun nous mettez dans tête l'État. Et ça n'a pas l'air. Nous pas parler de 2020. N'a pas l'air de 2019. N'a pas l'air de petits détails, petits séries de bagages, des problèmes qu'il n'y a pas à résoudre. Paye moun yo. Y a font travail qui est important pour paye yo. Hein? Paye yo nous doué yo 5 mois. Pour qui ça ne va doué en paye d'éviter de préférence? Pour qui ça ne va doué? Pour qui ça ne va doué? Ou gen desse de moun qui mérite pour nous doué, nous va doué yo. Hein? C'est desse de moun qui a sauvé vie et yon doué. Ça va make sens. Donc, entre temps, donc, nous parlons de grève généralisée et grève illimitée de l'interniste dans l'hôpital général. Entre temps tout, greffier, la gagne en greffe tout. L'association des greffiers de la NAGH, syndicat des greffiers d'Haïti, il a annoncé, même jour tout,
Depuis hier, lundi, dans 18 juridictions tout pays, ils ont observé une grève pour jeudi 23-24 mai pour exiger au ministère de la Justice l'application de l'accord de 3 novembre 2007. Un accord bilatéral qui garantit certains privilèges aux greffiers. Donc, là-dedans, il y a une formation continue à l'école de magistrature, adoption du statut de déposé par le Parlement, ajustement salarial. Donc, greffier au tout, ils ont domaine judiciaire à tout, greffier au dit, il n'y a pas campé, il y a frappé tout, grève pour 3 jours. Mais l'hôpital, il n'y a pas dit pour 3 jours, non? Grève illimité jusqu'à ce que vous ayez une satisfaction. Et nous connaissons, lorsque il y a une grève dans l'hôpital général, nous constatons, mes amis, que nous faisons un bon temps, personne ne va occuper. Nous avons souffert, nous n'avons pas de personne qui vient répondre. Comme si de rien n'était. Nous souhaitons que l'État, mes amis, va jouer avec la vie. Au plus vite, il y a chita avec l'internition. Que vous avez une solution avec ça. Trois problèmes, mes amis. En diminuant en paix, on ne pas faire abcès sous clou. Diminuer ça. Donc, branchez, connectez, puisque nous autres, ça le fait. Nous analyser des informations pertinentes qui dominent l'actualité d'Haïti et des États-Unis. Portez-nous bien.